Salut à tous. Un revenant. Ouais, ça faisait un petit moment. Alors, on y va. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous avez dû le suivre depuis un moment. Nous avons Angular 17 qui est en train de sortir. Alors, en RC0, où il est. C'est un framework. Et je me suis dit, tiens, une petite session live pour découvrir un peu ces nouveautés. Vous l'avez sans doute suivi. Il y a une grande nouveauté qui va casser la baraque. Hein. Après les signals d'Angular 16, il y a l'arrivée de toute la partie arrobase. Oui, c'était le dièse ou c'était le arrobase. On ne savait pas trop. Hein. Donc ça y est, on est parti sur la arrobase. Vous le voyez juste derrière mon Explorer. Ça y est, on a cette syntaxe. Alors cette syntaxe, elle n'est pas reconnue pour l'instant. J'étais en train de voir, après l'install de Angular 17, voir si je pouvais l'ajouter. Donc je vais faire le snippet, là, je vais voir. Je vais ajouter, voir s'il reconnaît. Est-ce que c'est des snippets pour... Ouais, c'est ça. Il le reconnaît. Can install because it's not compatible with current Visual Studio. Ah bon, on va mettre à jour le Visual Studio, c'est pas grave. On y va tout de suite. Allez, c'est parti. Ça va pas durer longtemps. Donc derrière, j'ai mis à jour mon Angular CLI avec 17.0 RC0. Et bah, c'est la grande, grande nouveauté. Je passerai aussi sur .NET 8 hein, qui va bientôt arriver. Ils arrivent quasiment en même temps, bizarrement. Et bah, c'est vrai qu'en ces jours pluvieux, hein, en tout cas ici, ces jours méga pluvieux, eh bien, ça fait plaisir, des bonnes nouvelles. Essayez de toujours secouer un peu le bananier, ou tout ce que vous voulez, hein, ou chocolatier si ça vous intéresse. Et bah, je trouve que c'est sympa parce que ça va amener des réflexions sur le futur de comment on va coder. Ici, là, franchement, il y aura des grandes difficultés à savoir si on est en C Sharp, hein, en Razor Page, ou en MVC.NET Razor Page, ou en même en Blazor, ou en Angular. Hein. Ah, juste du côté code. Hein. Sur ce début-là. Ok, je vais tenter de réinstaller mon snippet. Je vais mettre Angular 17. Angular 17. Voilà, on va faire l'install. Ce qui va être ok là, cette fois-ci. Yes. Ok, donc là j'ai mon snippet. Est-ce qu'il va être reconnu? On va essayer de mettre à jour, mais il ne s'est pas mis à jour. Hein. Il ne le reconnaît pas encore. Ouais, sur le snippet, Angular Chematics, il n'y a pas de mise à jour. Angular 16, ben ouais, c'est ça. Hein. Snippet, language service, ok, bla bla bla. Et pour l'instant, c'est pas mis à jour. Donc, ben, on va attendre. Hein. On a que celle-là. Donc, on va tenter déjà de mettre à jour avec ça. C'est-à-dire que si je fais un robase if. Ah, amazing. C'est magnifique. Donc, il le reconnaît quand même. Donc là, si je fais human, j'ai mis quoi? J'ai mis quoi derrière? Voilà. User.isHuman. User.. Ah. Ouais, c'est pas tellement confortable pour l'instant. Bah du coup, est-ce que je peux faire un petit div ng template ng container et oh yeah, div oh yeah. Voilà, mon human. On va regarder, hein. Petit point aussi, lors de l'install, je l'ai pas montré. En fait, quand on installe notre Ngenew, hein. Ce qui est sympa à regarder, regardons ensemble. Maintenant, dans la CLI, il nous demande ça. Est-ce que enable server-side rendering on static seed generation? Donc, c'est le pré-rendering, hein, ce qu'ils appelaient l'hydratation. Donc, ça y est, c'est arrivé. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Voilà, ça, c'est à prendre en compte. Hein. On ira, j'en parlerai plus, hein, de toute façon. J'ai pas eu le temps de finir ma formation, ma super formation. Eh, hey, salut Cam11! Bienvenue. Ah, t'es reparti. Bon, c'est pas grave, en tout cas, c'est cool. Ah, c'était il y a 5 jours, merde, je pensais que c'était la notif, j'ai cru voir. Bon, c'est pas grave. Salut quand même, si tu regardes cette vidéo après coup. Ça faisait un petit moment que je t'ai pas vu, que je t'ai pas venu, donc je te remercie de follow. Hein, au plaisir de se revoir. Yes, donc ici, on va aller tester ça. Je vais regarder le server-side rendering. Voilà, c'est le pré-rendering avec Angular, hein, c'est de Angular 16. On ira voir ça. Et bah, vous savez qu'il y a une formation qui est en cours. Hein, je vous la montre. Je suis en train de finir cette formation. Je pense que je l'aurai fini pour début d'année prochaine. Et vu toutes les formations que j'ai enchaînées, clairement, c'est assez chaud. Mais je vous montre. Hein, j'ai commencé une formation en ligne. Formation Angular avancée. Elle est où, cocotte? Cocotte. Wow. Bah, dis donc, voilà. Hein, donc, il y a celle-là que j'avais commencé. L'idée, c'est de vraiment de partir sur tout ce qu'il y a de ce que je peux former Angular avancé. Et je rajouterai même toute la découverte d'Angular des dernières nouveautés comme celle-ci.
Ça va changer. Yes. Ok, c'est super. Donc, on va aller tester ça. Hein. Autre point, d'ailleurs, si, avant de continuer, que j'ai remarqué, qui est vraiment spécifique. Hein, vous avez vu, maintenant, Angular 17, c'est sûr et certain. On est en standalone API de base. Et ça mène pas mal de switch hein, sur cette partie. Alors, je vais essayer d'enlever les notifs. Comment je peux? J'aimerais bien me dire dodo. Bon, c'est pas grave. Ouais, bon, c'est pas grave. Assis notif. Bon, c'est pas grave, je sais que ça se remet pas trop. Ok, on y va. Donc, ça, c'est le point intéressant. Hein, c'est vraiment le point intéressant. On va aller voir sur localhost. Bah oui, mais si je l'arrête. Hein. Si je l'arrête. CD blablabla. NG. Non, npm start. Voilà. Allez, pas du 3 heures, voilà. On est vraiment sur des tailles intéressantes maintenant. Voilà, ils ont optimisé énormément cette partie. Ils nous parlent quand même du temps de. Du bundle génération, 3 secondes. Bon, est-ce que c'est bien de le parler? En fait, depuis quelques versions, hein, ils optimisent énormément cette partie. C'est en gros la communication depuis la CLI. Bon, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Je sais pas. Je n'ai pas trop d'avis. Oh yeah, j'ai même fait une faute avec mon oh yeah. Oh yeah. Bon, ben voilà, ça fonctionne. Ah, youpi. Ah, j'ai mon container qui génère bien. Et si je fais un petit coucou inspecter, ce container, je vais bien l'avoir là. On va aller voir ce qu'il nous génère. Ça se trouve, ça va peut-être me mettre à améliorer sur cette partie, c'est intéressant. Alors, ng, oh yeah, il y a bien un div qui l'a généré, on est bien dans D7, router outlet qui est là. Tiens, on va aller voir le main. Voilà, source, voyons voir notre main. Notre main page, source, main.js. Alors, comment il a généré ça? Tiens, ça m'intéresse de voir ce que ça donne avec le arrobasif. On a bien notre conditional template qui a été généré avec un div. Element container start et rfif. Hein. Donc c'est notre template, notre app component. OK. Et là on voit bien qu'il appelle le routeur avec toute la partie standalone feature. Ah ouais, OK. Donc là c'est comme ça maintenant. Et le conditional ici. Voilà, c'est l'arobasif. Hein. Donc c'est vraiment une fonction qui transforme en conditional. Yo.conditional et il passe. Vraiment cette partie que j'écris, hein, ce code que j'écris. Ok, tiens, ça va être intéressant. On va aller créer une fonction. Hein, on va d'abord voir comment il va le construire ça. Puis après, j'ai envie de comprendre un peu cette partie du défaire hein, qui est arrivée. J'ai envie de vraiment comprendre ce que cette partie, c'est la grande nouveauté aussi qui est amenée. Ok, on y va. Donc là, on va rajouter un getter. Get is human. De type boolean et on va faire un return de this.user.isHuman. Et on va aller appeler cette fonction là. Voilà. À la place du isUf. Voilà. Donc reloading client et génération 0.5.4. Donc c'est cool. Normalement il me recharge tout. C'est la fête au village. Et là, ben voilà, context.isHuman. Top. Et on voit bien qu'il utilise le conditionnel. C'est top. Ça veut dire que si je fais un else maintenant, comment ça se passe? Ben, ça se passe tout proprement en fait. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir faire quoi? Alors ça, je trouve ça un peu ugly. Hein, parce que en C sharp, il y a juste à faire ça. Hein, en C sharp, il y a juste à faire ça. Mais là, si je fais ça, il pleure. Un expected NF file. Template et que. Bon, par contre, les messages sont beaucoup plus clairs hein, quand même. C'est super, mais c'est pas super sexy quoi. Donc en fait, il faut faire ça. Blur. Hein, normalement, voilà. Burk. Bon, écoutez, c'est comme ça. Et là, on va faire un petit ng container. On va faire. Ben non. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici un truc qui peut être sympa. Je vais prendre un component ici, je vais prendre un signal. Un signal. Donc là, je vais faire un user update égal à signal. Voilà, signal. Et je vais prendre une initial value
qui va être donc du coup mon user. Ok. Create option, ah oui, c'est writable. Je n'étais pas allé voir ça. Ah, ma curiosité va toujours m'amener vers... Ah oui, d'accord, equal. D'accord, ok. Donc là, on n'a pas besoin. Et là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire... Et oui. Voilà. Donc là, on peut prendre un user. On a le writable signal. Hein. Donc ça, c'est du Angular 16. Et on va aller le récupérer. Moi, ce que j'ai envie, c'est essayer de voir comment je peux le travailler avec le if. En fait, est-ce que je peux le travailler comme ça? Ah oui. C'est très bien. Mais blabla. Ok, du coup ce que j'aimerais c'est voir si je peux faire un truc comme ça. Et si je peux faire isHuman. Intéressant. Voyons comment elle se comporte, j'ai bien Oya. Ouais, j'ai bien Oya. Et ça veut dire que... When on push component use a scene value, it's a plan where it tracks scene. Ok. Ok. Et donc du coup, on va pouvoir comme ça travailler sur le visuel. J'essaie de mixer, hein. Mixer un peu Angular 16, Angular 17. Et donc admettons si mon user, je vais pouvoir... Ben là ici, admettons, je vais faire un bouton. Hein, tout simple. Je vais faire un button. Un button, s'il te plaît. Je vais faire change human. Ici, je vais faire un clic. Voilà. Et là, je vais faire change species. Voilà. Et donc, dans ce change species avec app component, je vais faire une fonction pour qu'il soit content. Voilà. Et là, je vais lui faire un this.userUpdate.set. Et là, je vais lui mettre une value. Donc, user, non, isHuman, à false. Voilà. Je suis en train d'essayer de passer à enlever le point virgule. Hein. Voir si je suis prêt à ça. Alors, ne vous inquiétez pas, vous voyez du code, mais c'est du code open source, hein, y a pas de problème. Ok. Donc là, si je fais change human, eh ben non. Trop bien. Ben voilà. Alors, je vais voir comment il a travaillé ça. Donc, il a bien mon user update. Ici, j'ai mon constructeur avec blabla. Donc, il l'a écrit dans le constructeur, hein, c'est intéressant. Alors que moi, je ne l'ai pas écrit dans le constructeur, mais... Et pure. Oh yeah. Donc, c'est une variable qui récupère ma constante, qui récupère une classe. Ok, si tu veux. Il a un set de ce user update. User update, c'est bien un signal. Et donc, le signal est bien intégré. Ok, cool. Très bien. Et j'ai mon templating qui est là, ici. Est-ce que c'est un change human? Top. Donc ça, c'est cool. Yes. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Alors, comme je vous disais, moi, la dernière étape, c'est que je veux réussir à voir cette partie-là, c'est-à-dire, c'est quoi le défaire? Donc, admettons, si je prends... J'essaie de voir hein, ce que c'est le défaire. C'est le dernier point que j'avais découvert avec vous aujourd'hui. Ah. Donc là, j'ai mon change species, c'est super. Là, si je fais un arrobas défaire. Le arrobas défaire... Il y a même un else if, d'accord, bon ça c'est cool. Moi ce que je vois c'est que un défaire ça a l'air d'être c'est lazy. Donc ça veut dire que par exemple, ici je pourrais faire un arrobas défaire. Alors défaire, Angular control form, défaire on immediate. Ok, on. Ah. Oh. Donc un défaire on. Immediate interaction, viewport. Over, timer. D'accord. Je vais voir quand même se défaire du côté doc officiel Angular.
Non, non, pas un défaire. Non, c'est pas le défaire module. Défaire Angular view. Alors, c'est quand que c'est sorti ça? Le 8 octobre. Donc, mon component défaire when. Là, c'est on. Est-ce que t'es bon niveau syntaxe? Ça a l'air d'être bon. Intéressant. Donc, on a découvert le if. On a conjugué ça avec un signals. Très bien. Donc, on peut changer. D'ailleurs, on va peut-être, on va même s'amuser. On va faire this.user. User update point ok ouais donc c'est le récupérer note de this point user update point is human. J'aimerais faire juste un booléen en fait, qui change. Change, 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 change. Voilà. Ok, c'est intéressant. Et ce qu'il faudrait voir, c'est combien de fois elle se réfère. Donc je vais mettre un ng on init. Genre avant de continuer, c'est juste que je vais vérifier un point qui m'intrigue. Et quand ça me titille comme ça, parler comme ça, ça m'intrigue. Je vais vraiment aller approfondir. Là, je vais faire un console.info de on init. Unit, merci, voilà. Et donc, si je vais sur mon code, eh bien là, coucou. Ok. Donc, ça ne rafraîchit pas le onInit, ça c'est cool. Je l'ai eu qu'une fois. Impeccable. Et donc, par contre, si je mets un affichage de vue. Donc, par contre, si je fais ici une petite accolade. Et on log. Oh, ce qui n'est pas bien, on est d'accord. C'est vraiment pour tester. Et si je fais on log void console. Ah, viens là. Info de on log. On log. Viens là, coucou. Ah oui, comme ça. Allez, les réflexions la vie dure. Hein. Surtout quand on vient du monde C-Sharp. Voilà. Wow. Ah ouais. Hydraté de moyenne, gouverne 13 nodes. Ok, et dotation. Ah. Ah ouais, quand même, hein. Donc là, on en fait deux quand même. Ce qu'on appelle la vue, donc il y a un aller-retour, c'est pour ça. Ok, eh, hey, salut à toi. Salut à toi qui regarde, on est en train de regarder Angular 17. Je suis en train de tester toute la nouveauté, en fait, tu vois, regarde, du nommage de template. Donc c'est cool. C'est tout nouveau. Et là, franchement, à part ça, autrement, on ne peut pas savoir dans quel langage on est, quoi. Si tu viens du monde .NET, bah, tu vas t'y sentir encore plus à l'aise qu'avant. Et c'est vrai que les développeurs .NET qui sont passés sur React, bah, ils ont plus d'apprentissage maintenant avec Angular 17 qu'un développeur qui passe de, bah, par exemple, du MVC .NET Razor à du Angular 17, quoi. C'est un truc de fou. Et là, je suis en train de comprendre la partie, le lien entre le state, hein, toute la partie signal. La mise à jour avec toute la partie de nouvelle génération là. Le but étant d'améliorer la génération. Donc il y a en fait le ngif, il est derrière, il est caché derrière. Mais ils ont revu tout le code de génération, ça qui est cool. Et j'essaie de comprendre le défer parce que le défer n'a pas l'air exactement de ce qui est dit dans la doc. Donc j'essaie de comprendre. Je sais pas s'ils ont mis à jour leur doc. J'ai pas l'impression. C'est ça qui est un peu chiant. Que là, il parle de style préférence, pas du tout ça. Et là, il y a une personne qui propose un when. Là, j'ai un on. Alors, est-ce que c'est qu'il a testé à un moment donné? C'est une grande question. Là, si je fais enregistrer, qu'est-ce qu'il me dit? Ah non, il me pleure. Vous voyez, le when n'est pas connu. When. Ah, c'est peut-être on. C'est un événement donné. Et when, c'est quand je donne un booléen. Donc admettons si je fais un booléen là, je vais tester un booléen. Un booléen. Un booléen. Un booléen. Tout simplement. Ça peut être super intéressant, fais voir. Et là, est-ce que tu me pleures dessus?
Oula, j'ai l'impression que je t'ai perdu là. Change Detected, là, t'es dans les choux. Ok, je vais essayer de t'arrêter. Peut-être que ça te va pas, que c'est tout nouveau pour toi. Oula. Alors, on a du building. Ah ouais, donc je pense que c'est qu'ils se sentent pas trop bien avec cette nouveauté. Là, ça a été hydraté, c'est impeccable. Si je fais change, ben non, ben oui, ben non, ben oui. Bon, ça c'est normal, c'est les allers-retours. Ok. Donc ça a l'air d'être cool. Et là, si je fais un petit ng container et je charge après, genre c'est un nouveau composant. The last one. Ok. Donc ça a l'air de fonctionner. Ah putain, il y a même les logs là, quoi. Top. C'est nouveau ça aussi. Ok. Ah ouais. Ok. Donc, on a du when. Et on a du when. Et aussi on a du. Ah, fais voir. Arrobas differ. Et on a du on aussi. Immediate. Donc là, c'est quand on doit le charger directement, quoi, du coup. Immédiat. The immediate. Ah ouais. Ok. C'est génial ça. On a le when et on peut dire quand. Et donc en gros, tu charges quand. Ça me donne des idées. Attends. What? Alors, additionally, when integrating differ block, it takes on capability remains on an advanced ngif. This becomes particularly evident when governing an on. Ok. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux faire un truc comme ça, là? Alors, base et... Bon, pas du tout. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, non. Ou alors c'est dans le diffère? Bah pas du tout. Non, il n'y a pas. Hein. On error. Ah non, il dit qu'il n'existe pas. Ah, can only be used after diffère. Ah, intéressant. Donc on vient de choper notre info là. Ok, parce que la date elle est pas très claire là-dessus. C'est-à-dire que mon diffère, mon error est lié qu'à ça. Ok, amazing. Donc, si on récapépète, on a le if, le else, le else if, qui se viennent de changer. On a possible de défaire, soit avec un when, et à ce moment-là, c'est un booléen, c'est en gros, c'est ce que nous, on peut faire. Ah, dommage que je ne peux pas encore les voir. Il faudrait que j'aille voir le code. Soit, on va avoir un défaire on aussi, et là, défaire on, on va avoir... oui, bah, d'accord, immédiate. On en avait plusieurs, avec une condition donnée. Ok, et derrière ce defer, on va avoir le error, on va avoir le loading, j'avais vu. Loading aussi. Donc on va voir un test si on fait un i avec un petit hr. Ok, loading. Donc c'est quand on charge ce composant-là. Ça me plaît ça. Bah non. Alors, j'ai mon loading. Le loading, c'est du loading. Pourquoi ça marche pas? Alors, loading, displays a specific content during the loading phase of dependency. Ah oui, ça doit être tellement lent, tellement rapide que ça marche pas. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Pour le vérifier, j'ai juste à faire un petit... Bah... ça. Hop. Voilà. De qui tu fais? Y fait. Si je fais ça, normalement, il s'appelle que de loading. Et donc, du coup, on va être tranquille. Ok. Hey. Voilà. Hey. Yes. Ok. Très bien. Et donc, il y a l'on error.
Il y a placeholder. Alors c'est quoi? Display the killing cotton and untie display into the cotton. Ah. Ah ouais, on peut faire un. Ah ouais, truc de dingue. Ce que j'aimerais bien, c'est le retrouver dans. Parce que là, je suis sur le blog, hein, officiel. Ils nous disent, ouais, alors on a fait ça, on a fait ça. Le plus, ils aiment l'arobase. Ouais, ok, c'est super. Moi, ça m'intéresse vachement. Novembre, quand ça va sortir, ok. Parce que chez moi, ça va avoir un peu plus de stats. Donc, ça, c'est vraiment Angular Blog. Hein, donc, on va aller voir s'ils n'ont pas publié une nouvelle. Nope. Ah oui, ça y est, c'est fini. Hein. Protractor. Nope. Bon. Parce qu'en fait, je suis tombé sur un autre site, donc sur une autre partie qui a été proposée, hein, qui a été travaillée, mais. Ouais. Donc là, il nous parle de ça, il nous parle du on, hein, du on immediate, comme il disait. Voilà, ok. Il y a le on idle. Donc là, il est en. Ok. Ah, c'est request idle callback. D'accord. Donc on peut vraiment s'attacher à différentes étapes. Hein. De la vue, c'est super sympa en fait de ce qu'ils nous ont rajouté. Interrogation trigger. Alors. We to delay the interaction comme specific interaction occurs this pattern. Might want to load content only when the interaction. Ok. In this exam. Tester ça tout de suite. Oh, ça me plaît ça. Alors, on va le mettre là-dedans. Arobase differ. Interaction. Et donc là, si je fais mon button et que je fais test click, c'est ça qui est en train de dire. Donc la doc, elle est pas super claire encore. Hein. Mais, ce qui est intéressant, c'est que si je fais ça. Et que je fais bah tiens ah que Johnny si vous me suivez vous savez Tidala, hop voilà donc on est bien donc là si je fais ça et que je me lance là dedans t'es où toi là ok ah ben là. Ben oui, ben non. Ah ben normal. Ça ne marchera pas mon code. Puisque je le change à chaque fois. Donc je vais faire un. Je vais faire en dehors du if. Donc là j'ai un defer qui est en dehors du if qui est dépendant d'un autre. Ouais, ça sera mieux comme ça. Si je veux tester, autrement ça ne marchera pas, évidemment. Donc là, tic, tac, tic. Du ya. Alors. Oh yeah, oh yeah, button. Ah, intéressant, je ne vois pas là. Peut-être un petit bout de code qui va pas. Fais voir dans le code généré, source. Unlog, login. Il m'a enlevé mes scripts. Ok, super. Et génial. Bon, on va plutôt mettre un B, un H1. H1, je dis. The H1. Tant, 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 tant. Ok, donc là, on est sur du defer on test click. C'est-à-dire que quand j'ai cliqué sur test click, je dois récupérer ça. Faut vraiment comprendre. Et voilà. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est juste magnifique. J'en pleurerais presque la veille. De mon anniversaire. Bon, on s'en déconne plus. Si vous regardez ça en live. Ok, donc c'est super intéressant en fait ce qu'ils nous ont fait là. C'est vraiment super intéressant. J'essaie de retrouver où il est. Voilà, donc du coup, ça c'est le trigger. C'est vraiment bien quoi. Et donc, s'il y a n'importe quelle interaction, bah, en fait, on va voir ça.
Ah putain, c'est génial quoi. C'est-à-dire que si je fais ici sans texte, je suis pas obligé de faire avec avec une... si j'enlève le... donc là si j'en mets un H2 tiens, juste comme ça. The H2. The H2. OK. Donc là j'enlève l'interaction avec parenthèse. OK. Ah non, ça peut l'air de plaire. Pourtant. Ah non, c'est over. Non. Ah oui, c'est-à-dire qu'on peut on interaction. Pourtant, je l'ai mis là. Ah. On. That is a placeholder block. D'accord. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'interaction. Ok, bah ça va, ils sont vachement précis en fait dans les erreurs. Donc c'est-à-dire que là, il faut que je mette un placeholder. Holder. Et là, bah, waiting quoi. Et là, ça va, tu vas plus pleurer. Ben voilà. C'est génial. Et nous, il nous guide, quoi. Auparavant, dis donc, c'est bien. Voilà, waiting. Et si je clique. Oh là là. Ouais, non, par contre, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que. L'interaction, c'est quoi? Not want to tie to the defer block to specific element addresses by any defer cotton to load base on lui-même. Ok. Je suis pas sûr d'avoir compris. Parce que là, j'ai pas de H2, fais voir. J'ai pas de H2. Ah! Ah! Capiche! Et donc, là je l'ai, et quand je clique sur lui-même, j'ai pas besoin de mettre, quand je clique sur moi-même, il apparaît. C'est juste génial quoi. C'est trop bon. Et niveau perf, mais c'est un truc de malade. Si tout est géré directement. Oh, c'est trop bien. Alors on peut faire du hover, du timer. Oh. Alors un exemple qu'il propose, mais c'est un truc de fou. Oh là 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 là. Et ils ont même fait un timer. Ah par contre j'aimerais savoir c'est qui timer. Faudrait que j'aille le voir dans le code source. Ouais, faudrait que j'aille le voir dans le code source. Ok. Mais c'est un truc de fou. C'est trop bien. Ok. Donc là je clique là, ça fait ça. Attends. Là il avait dit ça allait faire afficher main content. Ah ben voilà. Et voilà. Une seconde et demie, je clique là, je clique là. Oh là 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 là. Je peux même faire viewport quoi. Bon, bah c'est juste magnifique. Et par contre, moi ce que ça va m'intéresser, c'est savoir comment je vais pouvoir travailler ça. C'est-à-dire, on peut même préfetcher quoi. Préfetching, preloading resources before they need started to. Oh, mais c'est trop bien. Hello à tous ceux qui sont là. C'est un truc de fou. On a un when prefetch condition. D'accord, on peut même amener des configs. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Bon, déjà avec ça, c'est un truc de malade, mais alors là. Pour. Et même le fort. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas testé ça. Hein, on n'a pas testé ça. On n'a pas testé ça. Donc, c'est-à-dire que là, j'avais fait ça, mais il y a le dernier que j'avais pas fait. C'est à nouveau, je prends une liste d'items là ici. Donc je vais prendre une liste d'items, liste items. Je vais prendre un signal de. Ça serait bien que je prenne une liste d'objets. On va prendre une liste de strings en tableau. Voilà. Et ça. Et je vais mettre crochet vide au début. Voilà. Donc je dis au revoir à RxJS. Hein. Même si RxJS c'est génial, attention, hein, je ne vais surtout pas dire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un deuxième bouton. Et juste faire un petit load. Voilà, load items. Load. Voilà. Ça, c'est que je suis en train de faire du React en ce moment. Donc. Au bout d'un moment, là j'ai fait un load items. Voilà.
this.listItems.set de, on va mettre ça, et puis on va mettre Johnny. Voilà. Il manque le point d'exclamation quand même. Il manque une virgule aussi, ça peut être pas mal. Voilà, j'ai mon list item, c'est cool. Et là, je vais me mettre là. Et donc, je vais faire un arrobase for, logiquement. For off. Oh là là, ils ont mis le track dessus. Mais c'est délicieux. Mais c'est délicieux. Fini à l'oubli du track by, quoi. Enfin. Enfin. Putain, c'est trop bien, quoi. Donc là, je m'abonne dessus. For off. For item. Ah, c'est même pas let. C'est juste for item. List items. Track by item. Non, pas item by id, puisque moi, c'est une string. Oula, 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 t'as fumé niveau, ouais, t'as fumé niveau, juste ça, c'est juste le, voilà, et petite anacolade, s'il te plaît, voilà. Ah oui, t'as bien fumé, mais laisse-moi, ah oui, il en fait double, c'est un bug que j'ai des fois, ça m'énerve. Voilà, et load. Et donc là, ça veut dire quoi, je peux loader ce que je veux? Oh. Mais c'est un truc de fou, mais c'est un truc de malade. Là, je peux dire timer au bout de 1000 secondes. Ce que j'aimerais voir, c'est que si je peux pas travailler ça avec ce timer-là, il faudrait que je vais voir qui c'est. Quand le... Donc là, je fais... je peux peut-être réussir à faire ça, Div. Est-ce que je peux réussir à faire ça? Comment je fais pour afficher ma valeur? Ah ouais, juste accolade, accolade. Donc, c'est-à-dire que là, je peux faire item au bout d'une seconde? Non. Tu crois ça? Placeholder. Item is loading. Non. Ok. Voyons ce que ça donne. Ok, waiting, ça c'est bon. Load. Oh mais ouais. Attends, je vais refaire. Juste pour... Donc là, ça, c'est bon. Ok, je fais load. Is loading, is loading. Mais c'est un truc de fou. On a quelqu'un qui va arriver en Angular 17 par rapport à Angular 16, il va rien comprendre. Ouais. Après, il va falloir qu'on voit comment je vais pouvoir charger ça. Il est même capable de faire du ng content, donc je peux recharger du contenu. Waouh. Bon, bah, j'ai écrit un bon article là-dessus. Hein. Allez, je vais arrêter, il est 18h, ça fait déjà 40 minutes, mais c'est cool. Donc si je fais un résumé de tout ce qu'on a découvert sur cette étape-là, ça c'est vraiment la grande nouveauté d'Angular 17 pour moi. Donc ils ont choisi pas le dièse, pas le sharp, donc c'était une des premières pistes, hein, mais le arrobase. Pour les développeurs .NET, bah, ça va être super simple la transition, puisque un Razor Page, un Blazor ou un MVC.NET utilisent déjà cette syntaxe-là, mais il y a des grandes nuances. La première nuance, c'est qu'en fait... ici, pardon, dans le if, il n'y a pas de problème. Hein. Si on voit le if, il n'y a pas de problème. If, ma valeur, else. C'est cool. Mais déjà, il y a le arrobase else. On ne fait pas if else, on fait arrobase à chaque fois. Donc ça, c'est un peu plus laid. Deuxième point qu'on a découvert, c'est que bah, là, ici, on peut utiliser les signals directement dans mon if. Et bah, ça réagira bien du côté signal. Tout en évitant de rafraîchir en plus du côté njson. Donc ça, c'est super top. Nouveau point qu'on a découvert, bah, c'est le for. Hein. On peut utiliser le for, item, off et ma liste. Et ils ont rajouté automatiquement le track. Et ça, c'est top. En tout cas, on peut l'avoir. Le snippet nous aide à ça. Un snippet qu'on avait récupéré, vous tapez Angular 17. Nouveau point qu'on a découvert, donc du coup, c'est le defer. Donc le defer, c'est quoi? C'est un moyen, en fait, de déférer, de décaler l'exécution asynchrone, en fait, hein, d'un chargement. Donc ici, on peut déférer de plusieurs parties. On a le when, hein, qui va être intéressant avec une property à nous. Et on peut différer par rapport à ça. Donc c'est une sorte de if, mais décalé. Et ce defer, en fait, on va pouvoir lui rajouter des informations. Donc là, c'est chargement direct. Et on peut aussi le chargement, on peut le définir en fait sur un chargement. Admettons, ça met un peu de temps là à charger. On peut lui rajouter du loading et du error à côté, c'est vraiment à coller. Ça c'est au chargement et ça c'est bah, s'il y a une erreur. Et on va pouvoir lui rajouter aussi le placeholder qui est en attendant. Hein, et on peut lui rajouter donc le differ, pas que du when. On peut faire du on immediate, on timer et on peut faire aussi, qu'on a vu, du on trigger. Hein, c'est ce que j'ai fait là, on, quoi, c'est l'interaction par rapport à un trigger.
Ça, c'est top. Donc, sur lui-même, quand on fait rien, donc, si je clique là, ça fait apparaître. Hein. Si, pardon, je clique là, ça fait apparaître. Sinon, on a sur un trigger d'un objet donné. Voilà. Et après, on va pouvoir même faire du préchargement, du prefetch. C'est extraordinaire, ça aussi, pour gagner en optimisation. Et là-dessus, bah, c'est juste divin. Je continuerai mon aventure là-dessus pour la transition. Mais voilà, la grande nouveauté d'Angular 17. C'est top, non? Bah, j'espère que ça va vous plaire, ça. Parce qu'en tout cas, moi, ça me plaît vachement. Vraiment, vraiment, je trouve ça top ce qu'ils ont ramené. Et donc, bah, dans la prochaine formation Angular avancée que je ferai, même Angular, j'en parlerai. C'est déjà pas mal de bons points. Rares sont les personnes qui vont directement passer à Angular 17, mais en tout cas, sachez que, voilà, que ça existe et que ça va arriver dans très peu de temps, parce qu'on est le 24 octobre, là, à l'heure où je fais ce Twitch. Donc, c'est pour très bientôt. À tout de suite, ou à plus tard. En tout cas, je reviens très bientôt, avant la fin de la semaine, pour une prochaine session. Sachez que, d'ailleurs, je suis en train de passer sur un nouveau projet là en React. Ouais, j'ai fait un peu de TypeScript, j'ai quasiment fini toute la partie découverte TypeScript, et là, bah, je vais passer en React sur un projet live. Voilà, je vais essayer de jongler entre ces deux, trois parties, et l'arrivée de .NET 8 qui va arriver très bientôt. Vous allez voir aussi, il y a pas mal de belles choses, je ferai des vidéos là-dessus. Je vous dis à très vite, codez bien d'ici là. Ciao, ciao!